Avant que la vidéo commence, je tenais à vous présenter mon ami. Il s'appelle Trillionaire Prono. Pour tous ceux qui aiment le football, le rugby, qui aiment faire des pronostics, tout ça, n'hésitez pas à le rajouter sur Snapchat. Je mets son snap juste ici. C'est quelqu'un de sûr, en qui j'ai confiance et qui m'a fait gagner pas mal de gains, comme je vous l'ai dit. Voilà, que la vidéo commence. C'est Kamoff, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous le savez déjà, quand on est youtubeur, quand on commence à être populaire, qu'on commence à faire des vues sur internet, on est systématiquement critiqué. Au début je voulais pas faire une vidéo de ce type là, mais au final je la fais quand même pour que vous compreniez les risques qu'il y a sur internet. Parmi beaucoup de commentaires haineux sur ma page et sur les commentaires, j'ai décidé de contacter plusieurs personnes pour voir si l'un d'entre eux avait le courage de nous rencontrer et de discuter en face à face. Parmi tous ces commentaires choisis et parmi les personnes qui ont commenté, beaucoup d'entre elles se sont désistées et se cachaient derrière de faux comptes Facebook ou de faux comptes YouTube, etc. J'appelle ça les haters de la pire espèce, tu comprends? Cependant, l'un d'entre eux a tenu à me donner rendez-vous. Je lui ai donné un numéro temporaire, il m'a appelé plusieurs fois sur mon téléphone et on a fini par se rencontrer. Je vous laisse regarder la vidéo dans son intégralité pour que vous compreniez ce qui s'est réellement passé et que vous compreniez ma réaction. Et on se retrouve à la fin pour une conclusion comme d'habitude. Bonne vidéo à tous. Donc voilà les gars, du coup j'ai appelé Valentin parce que Valentin est toujours dans mes vidéos et qu'il a rien à faire d'autre. J'ai appelé Edgar parce qu'il est toujours dans mes vidéos et qu'il a rien à faire d'autre aussi. Et du coup alors ce qu'on va faire, c'est que là le mec, je parle avec lui depuis hier soir. J'ai donné rendez-vous aujourd'hui. Je sais pas s'il va assumer, je sais pas s'il va vraiment être au rendez-vous. Je sais pas si c'est un mec, j'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il fait que m'insulter et que ça fait quelques jours qu'il me dit ouais, t'as pas de couilles, t'as pas de couilles, t'as pas de couilles. Donc là, depuis hier, il m'appelle en numéro privé parce que moi j'ai donné mon numéro, mais lui il m'appelle en privé, il a pas les couilles de donner le sien. Donc ce qu'on va faire, je vais expliquer clairement. Là, on va aller sur le lieu de rendez-vous. Valentin et Edgar, ils vont rester à l'écart si le mec est seul. Si le mec est avec ses collègues, j'irai avec Valentin, Edgar et le caméraman même s'il faut, et voilà. Faut juste pas que ça parte en vrille, c'est juste une vidéo, voilà, moi je veux faire une vidéo comme ça. Je sais même pas si ça va être sur YouTube parce qu'on sait pas vraiment comment ça va se passer. Si le mec, d'un coup il sort un couteau, les gars, d'entrée vous venez, vous cherchez pas à comprendre. S'ils sont plusieurs, vous venez, vous cherchez pas à comprendre. Et si jamais on doit se battre, toi la caméra tu la baisses parce que sur YouTube on peut pas mettre des trucs comme ça, ok? Donc là ce qu'on va faire, c'est que le mec il m'a dit à tel endroit, à telle heure, on prend la voiture, on va y aller. Et tu essaieras de te cacher un peu pour pas qu'on te voie et tout ça. C'est bon pour vous les gars? Ça va, c'est bon. C'est bon. Vous, dans tous les cas, vous restez à l'écart au début. Et après, s'il y a un bruit, vous vous séparez. Vous venez pas vous battre, vous venez séparer. D'accord? C'est bon, tu filmes? Allô? Allô? Filme-moi. Allô? Allô? Ouais. Petite pute, tu me dis? Je suis en train de monter dans la voiture là, je vais arriver là. Hein? Je vais arriver là. Je m'en vais les c'est une. Mais tu es là au moins, tu es? Eh ouais, j'y suis. Je t'attends et toi tu es là, je te défile. Je te défile. Je suis en train de monter dans la voiture là, j'étais prêt à démarrer la voiture, j'arrive. Tu es une trompette, là-bas tu viendras pas, tu es une trompette. Bon, et si je viens, on fait quoi? Tu viendras pas, tu es une trompette. Là, je vais venir là. Vas-y, arrive avec tes tu veux, je m'en bats. Gros, t'as vu tes paroles que t'as? Je vais pas t'insulter, mais t'as vu les paroles que t'as là? Tu viendras pas, de toute façon, tu viendras pas. Ok, mais écoute, il va falloir les assumer en face après. N'oublie pas que tout ce que tu fais, c'est gratuit là. Parce que moi, je t'ai risqué. N'oublie pas. Vas-y, arrive, non, mais t'inquiète, on va parler en face après, t'inquiète pas. Gros, moi je te dis, là il est allé trop loin. Non, mais là il est allé trop loin, gros. C'est du harcèlement, frère. Faut mettre fin à tout ça. Ouais. Tu vois, là c'est du harcèlement, gros. C'est pas possible. Ouais. Tu vois, c'est gros, le mec m'insulte, il me menace. Tu vois, il me dit qu'il va faire tourner mon numéro, faut régler les comptes. C'est tout, voilà. Il me donne rendez-vous, on y va. Là, on fait rien de mal. Après, on verra comment ça se passe. Comment ça se passe, tu arrêteras de fumer, c'est bon? Allez. Edgar, reste avec Valentin. Je vais aller voir le mec seul, d'accord? Si vraiment vous voyez que ça part en couille ou quoi, on intervient. Intervention. Ouais, voilà, genre si ça part un coup, genre moi je suis un homme, tu vois, mais après, voilà, si vous voyez que je suis en train de faire du sale ou qu'il me fait du sale et que. Non, mais on sait jamais. Ouais. Vous venez ou c'est pas. Gros, hein? C'est allez, j'y vais vite. Gros, tu filmes bien toi, c'est bon, tu l'as? Ouais.
Alors, c'est toi le mec qui m'insulte sur internet? Qui fait le mariole, qui fait le je sais pas quoi là? Ouais. Ouais, en plus, tu me dis? Tu veux que je t'encastre dans la pancarte ou quoi? Non, tu es venu, en plus. Et heureusement que je suis venu, tu me dis, tu me donnes rendez-vous, je vais pas venir. C'est quoi ton délire, toi? Je comprends pas là. Je pensais pas que tu allais venir. Attends, on remet les choses à sa place. Tu m'insultes par commentaire, tu m'insultes par message privé, tu m'insultes au téléphone quand je t'ai appelé. Et là, j'arrive, tu me dis, je pensais pas que tu allais venir, tu me donnes rendez-vous. C'est toi qui veux me voir et tu me dis, je pensais pas que tu allais venir. T'as compris, parce qu'en vrai, je voulais te voir et tout, parce que j'aime bien ce que tu fais. Normal. Ah, rassure-moi, c'est une blague, quoi. Rassure-moi, c'est une blague. Rassure-moi que tu m'as pas fait venir, tu m'as pas fait perdre une journée parce que tu voulais me voir. Rassure-moi. Rassure-moi, c'est une blague. Parce que moi, quelqu'un qui m'insulte, là, qui m'insulte ma mère, qui insulte ma famille, qui insulte mes ancêtres et qui me dit, ouais, je voulais faire ça juste pour te voir, non, frère. Ça marche pas, ça. Je te dis d'entrée, ça marche pas. Non, mais je savais que sinon tu allais pas venir. Donc là, en gros, tu es en train de me dire clairement que tu m'as insulté, tu m'as mis la haine, tout ça pour que je vienne te voir et que tu me rends compte, c'est ça? Ouais, mais ça va, des insultes, c'est rien, tranquille. Mais tu sais quoi, tu es fan de ce que je fais, c'est quoi ton délire? Ouais, je suis fan. Les gars, ça se passe vraiment. Pourquoi y'a un mec qui filme? Viens, Edgar, Valentin, venez s'il vous plaît. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit. Parce que, en fait, il veut pas la bagarre. Ah. Non, il veut pas la bagarre. Parce que, en plus. Non, parce qu'en plus de ça, non seulement tu as voulu me rencontrer, c'est bien. Tu es content, tu m'as rencontré, ça y est. Tu es venu au moins. C'est quoi, c'était un rêve pour toi de me rencontrer? Non. Non, mais là, tu es en train de passer sur YouTube. Tu vas passer sur YouTube. Donc là, c'est plus qu'un rêve. Tu vas être content, là. Ah, tu vas être heureux. Non? Tu es pas content? Tu vas sur Internet, gros. Tu voulais. Ta rencontre à la base, il voulait juste me rencontrer. Puis au final, on fait une vidéo sur toi. C'est magnifique. C'est magnifique. Tu es abonné à la chaîne, donc? Ah, mais il est fort, hein. Bah oui. Tu es abonné à la chaîne. Logique. Vas-y, mets-toi. Veux voir ton téléphone? Montre-moi. Impression, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ok, c'est là. Donc déjà, tu vois, tu n'es pas abonné. Je suis pas abonné, gros. Prends déjà, tu prends pour les gens pour des cons. Ça va, je vais le faire, c'est bon. Regarde. Non, mais attends, je suis pas en train de te mettre la pression, t'abonnes même pas, frère. J'ai pas envie que tu t'abonnes. Les gens qui regardent mes vidéos, c'est pas des gens comme toi, j'espère. T'abonnes même pas. Alors vas-y, fais voir là. Attends, on va avoir une vidéo. Ouais. Voilà. Là, il y a une j'aime pas sur ma vidéo d'entrée. Cache. Non, mais ça, c'est pas moi, c'est un collègue, c'est pas moi. Arrête, gros, arrête, s'il te plaît. Vas-y, une autre vidéo. J'aime pas. Une autre vidéo. J'aime pas. Gros, en fait, tu mets des j'aime pas à toutes mes vidéos. Là, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que tu m'as insulté sur internet. Peut-être même que tu allais faire une vidéo sur moi en disant ouais, Kamoff, il vient pas, c'est une. Il y en a. Hein? Et ce que j'ai l'impression surtout, c'est qu'en fait, t'assumes pas. J'ai l'impression que t'assumes pas, en fait. J'ai l'impression que tout ce que tu m'as dit, tu le pensais, mais quand tu m'as vu en face de toi, je suis pas impressionnant, hein. Je fais pas 2m20. Je suis pas impressionnant, mais peut-être que t'es en train de perdre tes. Et peut-être pas, c'est pas à cause d'eux, tu vois, parce qu'eux, ils feront rien, tu vois. Mais là, j'ai l'impression que t'es en train de perdre tes. Toi aussi, tu feras rien. Bah, mais moi, je suis en train de faire une vidéo déjà, tu vois. Je suis en train de faire une vidéo, donc je vais pas te taper. Parce qu'apparemment, tu es un fan. Donc, je sais pas, tu veux quoi? Tu veux qu'on prenne une photo? Tu veux qu'on fasse quoi? Je sais pas, tu es un fan, on prend une photo ensemble. Bah, vas-y, on va prendre une photo en vrai. T'es sérieux, gros? Et ouais, enfin, si, je suis fan, mais si, les j'aime pas et tout, c'est. C'est qui les j'aime? Non, mais gros. Tu n'es pas abonné, tu mets des j'aime pas, tu m'insultes sur internet. Ne me dis pas que tu es un fan, frère. Ne me dis pas que tu es un fan. Ne me dis pas que tu es un fan, gros. Ne me dis pas, là tu m'as fait perdre mon temps, tu m'as fait perdre ma journée. Eux, ils n'ont pas que ça à faire non plus. Tu vois, je te dis, encore heureux que ça me fait faire une vidéo, tu vois, que je perds pas mon temps vraiment. Tu vois, mais là, frère, faut arrêter les délires, frère. Tu dis pas aux gens, ouais, je vais te la mère, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais venir, je vais te. Tu verras, je suis déter, machin, y en a. Tu mets bien la haine pour après me dire, ah, ça va, on fait une photo ensemble. T'as cru que c'est quoi, frère? T'as cru que moi, les gens comme ça, je vais faire une photo avec eux? Parce que moi, je suis pas un mec qui fait la misère aux gens, je suis pas comme ça. Au contraire, dans mes vidéos, j'essaie de faire passer des messages positifs. Là, j'ai juste voulu montrer aux gens que les gens qui parlent sur internet, je pensais qu'il y a la. Franchement, quand je t'ai vu, je dis, ouais, il a porté ses. Quand je t'ai vu, j'ai dit, c'est bon, les gars, il est là, si ça part à séparer. Tellement j'ai dit, séparer s'il y a vraiment un problème. Mais en fin de compte, il n'y a même pas besoin de séparer parce que tu veux prendre une photo. Je leur ai dit de nous séparer, toi, tu veux nous rapprocher, frère. En fait, là, tout ce que tu m'as dit tout à l'heure, donc en gros, hein, tout ça, c'était pour prendre une photo. Tout ce bordel. Bah ouais, on prend une photo. Moi je suis venu, je crois que ça va faire, tu es venu aussi, voilà, viens prendre une photo maintenant. Toi ton but, mais attends. Ah, je suis là, viens prendre une photo. En plus tu me fais la star pour une photo, viens prendre une photo, ça te coûte rien. Je fais la star pour une photo. Bah viens prendre une photo maintenant. Vas-y, prends la photo. C'est bon, comme ça il est content, vas-y. Comme ça, ça on se taille, c'est bon. Comme ça après je la prends avec les deux. Mais prends-la avec eux d'abord, vas-y. Vas-y, parce que c'est qu'ils nous prennent pour un con, ils nous insultent. Bon les gars, ils nous prennent pour un con le mec. Toi, je crois que tu insultes les gens gratuits comme ça, toi. Vas-y, on prend une photo. Vas-y, viens, on prend une photo, je me dis. Vas-y. Si j'appuie là, ça va prendre la photo.
téléphone. Allez. Ah, plus de téléphone. Allez hop. Tiens. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Ah frérot, moi je t'ai dit, tu m'insultes pas là, daronne. Tu as cru que c'était quoi quand on faisait des vidéos Tiens, ton téléphone, tiens, regarde ton téléphone, voilà. Y'a pas frère, tu peux dire ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Toi tu joues avec. En fait tu joues avec. Tu joues, clac, tu t'amuses. Et puis quand tu vois qu'il y en a une qui est plus lourde que l'autre, que tu la prends sur la tête, tu es pas content. Là, bah ouais gros, je suis désolé. Non mais attends, tu crois que c'est quoi? Tu crois que c'est quoi? Tu crois que j'allais venir comme ça, j'allais prendre une photo avec toi. Allez, merci de m'avoir insulté la daronne, merci frérot. Merci. Eh ouais frère, sois content déjà que je te fasse pas glisser gros. Sois content déjà que je te fasse pas glisser. Parce que là ce que tu as fait, moi je t'explique. Tu as vu les trucs sacrés comme ça, les daronnes, la famille, tout ça, tu touches pas frère. Tu touches pas, après faut assumer. Après si tu touches, faut assumer. En fait, moi je pense que t'as perdu tes. Parce que t'es pas un abonné et y'a que des j'aime pas sur mes vidéos. Arrête de me prendre pour un con. Parce que même si t'étais pas abonné et que tu aimais notre contenu, tu aurais mis j'aime. Là, tu vas me dire que sur toutes les vidéos, c'est ton collègue qui a mis des j'aime pas. Tu me prends pour un con. Mais c'est pas moi, c'est... t'avais pas besoin de péter. Assume frère. Assume. Regarde ce que tu as fait. Et alors? Pourquoi tu as fait ça? Et pourquoi tu m'as insulté? Pourquoi toi tu as fait ça? C'est quoi vous... En plus, oh, vous avez de la chance, vous êtes quatre. La prochaine fois, j'ai avec mes collègues. Viens dans le rendez-vous la prochaine fois, ici, même heure, je te casse la bouche, c'est bon? Dis-moi, c'est combien de personnes tu veux ramener? Dis-moi, parce que moi je ramène aussi, dis-moi. Je ramène moi aussi, dis-moi. Là, dis-moi, ne bégaye pas frère, je ramène. Pas, je ramène la France entière, tu veux, vas-y dis-moi. Tu auras jamais plus de personnes que moi ce que je peux ramener. Maintenant je te dis, si tu as un homme, on va sur le terrain là-bas, c'est juste à côté, on se frappe. Je suis arrivé tout à l'heure tout seul, tu savais pas qu'il y avait eux. Et tu m'as tapé la main, tu m'as fait ça. Ça va? Tu as voulu me faire un check? Tu m'as parlé, tu m'as dit je suis un abonné, tu les avais même pas vus. Ne dis pas je sais pas quoi, vous avez de la chaîne 4, alors j'étais seul. Je t'ai dit maintenant tu es déter, on va là-bas frère. Tout à l'heure tu m'as vu venir, là, tu veux y aller, on va là-bas? Tu veux parce que on parle pour rien. On éteint la caméra, on filme pas, on va là-bas. Tu veux? La prochaine fois. Mais pourquoi la prochaine fois? C'est un truc de fou. Pourquoi la prochaine fois? Pourquoi la prochaine fois? Pourquoi la prochaine fois? T'as l'heure, je suis venu seul. T'as l'heure, tu as cru que j'étais seul ou pas? T'as l'heure, tu as cru que j'étais seul quand je suis venu? Oui ou non? Ouais. Tu m'as vu seul? Ouais. Tu as cru que j'étais seul. Pourquoi tu as pas fait le voyou à ce moment-là alors? Pourquoi là tu fais le voyou, tu as de la chance, je sais pas quoi? Tes vidéos, je les aime pas. Voilà. Moi non plus, tu m'aimes pas. Non, je t'aime pas. Alors, tu sais quoi? On va faire simple. Arrête de les regarder. Tu n'es pas obligé de les regarder mes vidéos. Les regarde pas. Rentre chez toi. Parce que sinon, c'est ton. Gros, t'assumes pas tes paroles. Tu dis je sais pas quoi, machin, yana. Tu me dis par téléphone, je vais faire ci à ta mère, je vais faire ça à ta mère, je fais ci, ta mère, je fais ça. Et ta famille, je fais ça. Et à la fin, quand je viens seul, frère, tu es là, t'assumes pas, gros. Tu me dis, prends une photo. C'est quoi ces gens, frère? Les gars, n'ayez pas de peine pour ce genre de. N'ayez pas de peine. Moi, il m'a insulté ma famille. Hein, voilà, moi, il m'a insulté ma famille, il m'a donné rendez-vous, il m'a fait le voyou. Et à la fin, vous avez vu, au final, il nous aime pas. Donc, c'est quoi, mon pote? Moi, tu me prendras pas pour un con 10 fois. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que beaucoup de personnes diront ouais, tu lui as cassé le téléphone. Au final, il était fan, il voulait juste te rencontrer. Je vous arrête de suite, c'est faux. Quand on a regardé son téléphone, la personne n'était ni abonnée et avait mis un j'aime pas à toutes nos vidéos. Je dis pas que c'est une raison pour casser le téléphone, mais ça prouve bien que ses intentions étaient vraiment de nous faire du tort et de nous faire du mal. Je pense que la famille, c'est un sujet délicat auquel il faut pas toucher. Cette personne là m'a insulté ma mère, a insulté mes ancêtres, a insulté moi et a insulté toute ma communauté en les traitant de débiles, etc. Il y a des trucs en off que j'ai pas pu mettre dans la vidéo tellement les propos étaient vraiment graves. Je pense que ça lui servira de leçon. Il pensait qu'on n'allait pas venir, on y est allé. Je pensais aussi qu'il allait pas venir, ou plutôt qu'il allait venir avec des amis à lui. Il est venu tout seul. C'est pour ça qu'au final je le respecte un peu, parce que c'est le seul qui est venu. Parmi tous les autres qui m'ont insulté, c'est la seule personne qui est venue. Donc je trouve qu'il a été courageux de venir tout seul. Je suis venu moi aussi en compagnie de Valentin et Edgar ou KO, parce qu'on sait jamais à quoi s'attendre. Et au final, vous avez vu comme ça s'est passé. J'ai cassé son téléphone pour lui faire comprendre qu'il faut pas insulter les gens gratuitement, parce qu'il m'avait fait perdre ma journée complète, et parce qu'en plus de ça, au final, il m'a menti et pris pour un débile du début jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tenais à faire passer ce message et à dire aux gens qu'il ne faut pas s'arrêter à tous les mauvais commentaires qu'il y a sur YouTube. Cette vidéo vous servira d'exemple et je pense que personne ne doit s'arrêter à ça, et encore moins donner rendez-vous à des gens qui vous insultent ou des gens qui vous font chier. Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous rajouter sur Snapchat, CAMOFF, CAM-OFF. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube. On est bientôt 300 000 abonnés. Je vous remercie du fond du cœur. Si vous aimez nos vêtements, si vous voulez porter notre marque, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.futuratech.com. Comme je le répète à chaque fois, il y a des vêtements pour tous et pour toutes. Que ce soit enfant, homme, femme, il y a des vêtements pour tous. Je vous invite à y aller faire un tour. En ce qui nous concerne, on se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo comme d'habitude. Faites attention à vous et par-dessus tout, le plus intelligent, c'est de passer au-dessus de toutes les critiques, car malgré ça, c'est quand même elles qui vous font avancer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. À mercredi prochain.
Ciao.